C'est pas facile de relever un défi, c'est pas facile de relever un problème, le transformer en solution. Les emmerdes font partie de la vie. Faut l'accepter, c'est comme ça la vie. Combien de temps et combien d'énergie vous perdez chaque mois, chaque année à vous dire des choses comme « Oh mon Dieu, j'espère que ce problème ne serait pas arrivé, j'espère que ce collaborateur ne m'aurait pas dit ceci, il n'était pas parti, ou mes enfants n'ont pas fait ça, ou que oh là là, j'ai une difficulté en ce moment. » Sans difficulté, on ne peut pas croître. Donc à la fin, souvent, on est dans ce monde judéo-chrétien où on décide ce qui est bien ou mal. Bah, le jour où vous comprenez que tout est un cadeau, tout est un cadeau. Le jour où j'ai compris ça, ça a tout changé pour moi. Tout est un cadeau. Les challenges, qui ne sont pas les problèmes, c'est des challenges. Imaginez-vous voir les problèmes comme des challenges. Au lieu de vous dire « Oh mon Dieu, un nouveau problème », plutôt vous dire « Ah ah, il y a un nouveau challenge, un nouveau défi que la vie m'envoie ». À la fin, tout est un cadeau parce que si vous regardez bien, vous êtes là où vous êtes parce que vous avez surmonté des difficultés. Sans les emmerdes, entre parenthèses, sans ces difficultés, sans ces challenges, vous ne serez pas là où vous êtes en ce moment. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un problème comme une emmerde et un truc qui est sur le problème qui vous ralentit, voyez-le comme un tremplin, une marche pour vous faire avancer au niveau supérieur. Imaginez-vous l'énergie que ça vous donnerait. Plutôt vous dire « Oh mon Dieu, un nouveau problème !» Plutôt vous dire « Ah ah, un nouveau défi !» Yes ! Merci pour ce défi. C'est parti, on se retrousse les manches. Où est le cadeau derrière tout ça? Ça m'aide à développer mes muscles de persévérance, le fait d'apprendre une leçon, de devenir plus compétent, de développer mon savoir, d'avoir plus d'énergie, de développer plus mon énergie, ma conviction, ma persévérance, ma résilience. Donc allez bien, comment voulez-vous développer un muscle s'il n'est pas mis dans la difficulté? Il suffit de voir le nombre de gens qui ne font pas de sport. Il suffit de voir leur corps au bout d'un moment, ça ne ressemble pas à grand-chose. Simplement, est-ce que le muscle n'est pas mis face à une difficulté? Et donc, si vous voulez croître un magnifique biceps, vous avez intérêt à le mettre dans la difficulté, le mettre à sa limite. Le mettre dans les emmerdes en quelque sorte. Donc, au lieu de voir les prochains problèmes de votre vie comme un problème, voyez-le comme une opportunité. Répétez-vous cette phrase, rappelez-vous toujours ce que je vais vous dire. Quand vous êtes face à une emmerde, dites-vous plutôt « Où est le cadeau ?» Où est le cadeau dans tout ça? C'est une opportunité pour vous de croître. Les problèmes sont des opportunités de croître. Donc, au lieu de vous plaindre, déjà, c'est pas facile de relever un défi. C'est pas facile de relever un problème, le transformer en solution et se catapulter avec ça. Donc, pourquoi vous embêter encore plus et ça ne vous aide pas de vous dire c'est un problème et vous espérez de ne pas les avoir. Ne pas espérer avoir des problèmes, c'est refuser de vivre. Pensez à ça. Refuser et reculer derrière les problèmes, c'est refuser de croître. Et refuser de croître, c'est mourir. Parce que ce qui n'est pas en train de croître dans la nature, c'est en train de mourir. Il suffit de voir les statistiques de personnes qui passent à la retraite. Ils partent à la retraite et ils n'ont plus de projet. Et ces personnes, c'est démontré, les gens qui partent à la retraite et qui n'ont pas de projet meurent très rapidement. C'est d'un coup, ils disent « Ah, bah, j'ai fait ma vie. » Alors que les gens qui partent à la retraite, ils se disent « Il y a encore ça, à voyager en Chine et apprendre à chanter, apprendre la musique et puis ceci et puis cela. » Ils ont des projets, peut-être de contribuer, faire une association à but non lucratif, je ne sais pas trop quoi. Ça les garde éveillés et donc, ils se mettent des emmerdes en quelque sorte parce qu'ils veulent croître. Ils ont compris que si tu refuses de croître, tu refuses de vivre. Dans la nature, ce qui n'est pas en train de croître est en train de mourir. Donc, la question pour vous, c'est est-ce que vous êtes en train de reculer devant les difficultés? Quelles sont les difficultés que vous avez en face de vous? Réfléchissez un petit moment. Quelles sont les difficultés que vous avez en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous tentez de reculer devant les difficultés? De râler? De vous plaindre? De tenter de les esquisser? Ou est-ce que vous dites « Merci pour le cadeau. Voici un nouveau challenge à relever. Let's do it !» Ça se passe entre vos deux oreilles. Ce n'est pas ce qui se passe et ce qui nous arrive qui compte. C'est la manière dont on y réagit. Donc, pensez à cela. Quel est votre problème en ce moment-là? Où est l'opportunité dans tout ça? Où est le cadeau? Retroussez-vous les manches et mettez-vous en mode action et croissance. En quoi ça vous parle? Laissez un petit commentaire ci-dessous. Est-ce que vous avez des challenges en ce moment? Comment vous les percevez? À partir de maintenant, comment vous vous engagez à les percevoir? J'adorerais lire votre commentaire. Si vous n'êtes pas encore noté cet épisode, laissez un petit commentaire ci-dessous et soyez certain d'en partager au maximum de gens possible ce rendez-vous quotidien ensemble. À très vite, c'était Max. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant et réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.